Et bonjour à tous et à toutes, c'est Cubacraft aujourd'hui pour vous présenter le jeu Not a Hero. Alors donc, qu'est-ce que Not a Hero? Alors Not a Hero, c'est un jeu d'action, clairement, où il vous faudra, sur l'ordre du maire, le maire c'est le personnage qui est tout à droite, là vous voyez, qui est devant son ordinateur. Et en fait, pour sa candidature, pour être élu maire, il faut détruire le crime. Mais quand je dis détruire, c'est détruire. Alors on va faire le premier niveau ensemble, je vais pas vous le spoiler. Alors bonjour ma team de rêve, mon équipe de rêve. J'ai pas tout suivi. Maintenant je vais vous expliquer mon plan. Va finir en... je comprends pas tout là. Les votants veulent un maire contre le crime quoi. Nous, le crime, la justice. Ok. Donc en gros, c'est bien ce que je venais de vous expliquer. Pour que les gens votent pour lui, en gros, il faut détruire le crime dans la ville. Alors, je vais prendre un personnage. Alors au début, vous aurez ce personnage là. Et au fur et à mesure, vous débloquerez tous les personnages. Alors moi, j'en suis avec ce personnage là, mais je préfère celui-là. Voilà. Donc on va faire le premier niveau ensemble. Ça suffira pour vous présenter. Alors voilà, donc c'est un jeu en 2D. Alors comme ils expliquent, à tout slide, et comme ça, hop, on peut se cacher. Voilà, comme ça, et vous pouvez faire des exécutions. Ah non, mince, faut que je sois tout près. Alors vous pouvez faire des coups critiques en étant tout près comme ça et faire pank pour lui tirer dans la tête. Ça fait un coup critique. Ensuite, c'est plutôt sympa. Vous pouvez vous cacher justement avec A, tout simplement, et bouger directement, ce qui donne un rythme plutôt effréné à tout ça. Tenez, et vous les faites, vous pouvez les faucher comme cela, et ensuite exécuter, les exécuter. Voilà. Et donc pour débloquer de nouveaux personnages, il faut débloquer toutes les caractéristiques en bas qui étaient en bas à gauche. Voilà. Alors je vous présente le petit 2. Le niveau 2 avec toujours le même personnage parce que voilà. Ah oui, et chaque personnage a des caractéristiques différentes. Par exemple, celui que j'ai là, il va plutôt vite. Voilà. Et c'est pour ça que je le préfère. Et il a une arme qui me plaît. Hop, on monte. Et vous voyez que ça va plutôt vite. Ah oui, alors vous avez aussi des power-up pour vos armes, comme celle-là. Donc ça, c'est un power shot. Voilà. Et vous pouvez tous les utiliser. Il y en a aussi qui... Alors, il y a aussi des power-up qui vous font aller, on va dire... qui vous font passer à travers les couvertures. En gros, vous pouvez tirer sur les ennemis qui sont dans les couvertures. Et donc, comme cela, avoir de nouvelles capacités et ça vous offre plus, plutôt de bonnes possibilités. Wow. Et ça vous offre pas mal de possibilités. Je crois pas qu'il faut que je passe par là.
Ah, je me souviens plus du niveau 2. Donc si. Excusez-moi, voilà. Et donc ça vous offre beaucoup de possibilités sur une musique au rythme plutôt effréné. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Franchement, c'est un jeu que je vous conseille. Qui est très amusant. Qui a une durée de vie plutôt moyenne. Mais c'est plutôt sympa. Et les ennemis, ils montent aussi en niveau, évidemment. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation de jeu. Des bisous à tous et à la prochaine. C'était Cubacraft de la chaîne CJ Games.